Bon, aujourd'hui, je vous présente une belle série de dents que j'ai trouvées à Bazas, en Gironde. Vous avez une superbe carcharodon mégalodon que j'ai trouvée dans cette position sur le sol. Imaginez ça. Ah oui, le cœur bondit dans la poitrine. Elle est toute noire. Ce sont des oxydes qui se mettent dans l'émail de la dent. Une scutelle, c'est un oursin plat. C'est du niveau miocène céramalien. Un morceau de côte, un morceau d'os sans doute de mandibule, de baleine. Ça, c'est un morceau de vertèbre d'Alitherium, de sirénien, de la famille des lamantins. C'est l'apophyse de la vertèbre. Et là, vous avez d'autres dents. Les Urus astalis. Ça, c'est une dent de Pristis, de poisson-scie, un morceau d'un rostre de poisson-scie, rhinocéros, Dinotherium, des morceaux de plaques de tortue, du sparus et de la dorade, mâchoire de dorade. Bon, c'est très roulé, hein. De la raie, Aetobatis, petite vertèbre. De poisson, un écusson dermique de raie, une boucle de raie, des petites dents aussi de mammifères terrestres. Il y a du niveau donc terrestre et marin mélangé. Ça, c'est une autre boucle de raie aussi, comme celle-là. Non, c'est pas mal du tout. Et une petite dent de cachalot, très fine, bon, très très roulée, usée, mais c'est assez rare quand même. Bon, ben un coup, écoutez les gars, une jolie petite récolte sur un chantier de l'autoroute A6. Bon, ben je vous dis à bientôt et abonnez-vous pour voir d'autres merveilles. Merci.